Bienvenue sur Africa Cool Télévision, la chaîne authentique toujours au cœur de l'actualité. Chose promise, chose faite. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 30 juin 2023 à l'immeuble de la Territoriale la cérémonie officielle de lancement de l'opération de délivrance de la carte d'identité nationale. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, en sa qualité de l'autorité de tutelle qui a lancé cette opération en livrant la première carte d'identité nationale au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette opération a été promise par le chef de l'État dès son accession à la magistrature suprême. Il est aujourd'hui le premier citoyen à recevoir sa carte d'identité nationale à présence de plusieurs officiels du pays, notamment le président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso, du premier ministre Jean-Michel Samalukonde, du président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamouleta, du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi et tant d'autres personnalités, sans oublier le directeur général AI de l'Office national d'identification de la population. Avec le lancement officiel de cette opération, le gouvernement Samalukonde prouve à suffisance sa détermination à doter le pays du fichier général de la population d'une première depuis 1987. Signalons que, juste après les différents speeches, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été appelé à remplir les formalités prévues avant de recevoir sa carte d'identité nationale de main du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, maître Peter Kazadi Kakonde. En ces jours du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, il m'est un privilège de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie solennelle qui revêt une particularité historique. Il s'agit du lancement de l'opération de la délivrance de la carte d'identité nationale. En effet, comme d'aucuns le savent, la dernière carte d'identité émise dans notre pays remonte à 1984, il y a de cela 40 ans. Elle était dénommée successivement carte d'identité pour citoyens, puis carte nationale d'identité. Rappelons que l'accord cadre de Lusaka du 10 juillet 1999 avait recommandé la délivrance de la carte d'identité à tous les Congolais. Cette recommandation, réitéré lors du dialogue inter-congolais, est demeuré malheureusement lettre morte jusqu'à ce jour. De même, l'un des objectifs de développement durable invite tous les pays signataires de la Charte des Nations Unies à fournir une carte d'identité légale à tous les citoyens d'ici 2030, suivant la résolution 70/1 du 27 septembre 2015. Ainsi, lors de son accession à la magistrature suprême, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait promis le ferme engagement, de doter les citoyens congolais d'une carte d'identité nationale. Chose promise, chose faite ces jours. C'est donc ici le lieu de remercier vivement les chefs de l'État pour avoir tenu et réalisé sa promesse faite à la nation congolaise. Mes remerciements vont spécialement à l'endroit de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui n'a cessé de travailler à la matérialisation de cette préoccupation du chef de l'État, dont l'aboutissement est symbolisé aujourd'hui par la délivrance de la première carte d'identité nationale aux premiers citoyens de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ces jours, notre pays entre ainsi dans les concerts des nations qui ont déjà atteint cet objectif de développement durable tel qu'adopté par les Nations Unies par sa résolution de 2015 évoquée. Je salue cette avancée significative
grâce à laquelle notre pays va, après identification effective et systématique de sa population, disposer d'un fichier général de la population fiable, répondant aux besoins de l'efficacité de la gestion de sa démographie et de la sécurité de son territoire national. Aussi, je m'en voudrais si je ne peux pas citer certains des avantages relatifs à l'opération de l'identification et à la constitution du fichier général de la population, entre autres, la délivrance d'une carte d'identité nationale sécurisée, l'octroi d'un numéro d'identification nationale unique à tous les Congolais, la fin de l'usurpation d'identité congolaise, la détermination du nombre de la population congolaise en République démocratique du Congo, la facilité des calculs du quotient électoral, la sécurisation dans l'accès à certains services dont les transactions bancaires, la téléphonie mobile, les assurances, la sécurisation des documents scolaires et universitaires, j'en passe. La facilitation de l'obtention des documents liés à l'identité, notamment les passeports, permis de conduire, ainsi de suite. La facilitation de l'obtention des actes de l'état civil sécurisés. La facilité du développement de l'économie numérique comme pilier de la croissance économique moderne. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, distingués invités, cette identité si précieuse que nous avons héritée de nos aïeux et qui nous accompagne jusqu'à la fin de notre vie, nous devons à chaque fois la mériter et la protéger jalousement. Nous devons en prendre réellement conscience comme l'air que nous respirons. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je suis Congolais, nous sommes Congolais, nous naissons Congolais, nous vivons Congolais, nous mourons Congolais. D'où la fierté patriotique. Je répète, Excellences, Monsieur le Président de la République, je disais que je suis Congolais, nous sommes Congolais, nous naissons Congolais, nous vivons Congolais et nous mourons Congolais. Fierté patriotique, Excellence, de porter l'identité congolaise, les meilleurs legs, comme repris dans notre hymne national. J'exhorte donc toute la population congolaise, où qu'elle soit, à s'approprier ce processus d'identification de la population et de la délivrance de la carte d'identité nationale. J'invite par cette même occasion à la vigilance tout au long de ce processus. Que vive la République démocratique du Congo. Sur ce, je lance solennellement l'opération de délivrance de la carte d'identité nationale, en commençant par les premiers citoyens de la République. Je vous remercie. Thank you.
Africa cool, et ben cool, Africa cool, ben cool, le quoi cool ma topie, Africa cool, toujours, Africa cool, toujours, Africa cool, c'est bon. Et sa chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et sa chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons 5 ans et nous avons souscrit à Bazoa. Donc, nous avons vraiment été au Balobakaki. Bouka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zanamoana, massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas à cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Mm. Donc Eza et Loronabiso, Tosepela Ranango, Yango chaque fois son aïe na Kishasa, il faut namona Africa cool. Et moi, ma chaîne Eza impartiale. Le rôle d'Ababino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala. YouTube yemoko à reconnaître que na pona ki mabete au moni ba choix to salaka ba réflexion to salaka tikala kaka abonné à Africa cool tikala comme ça to partage ka bravo Africa cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutu bo s'abonner parce que trophée ezali ya Bino ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa cool. Merci beaucoup. Toujours. Ah. Toujours.